Oh, no, wait. How about we do the good cop, dumb dog thing, and you just shut up? You got it, partner. Total silence. Hey, Jay, 0% body fat. Hey, Pisto Monde, c'est Obscure Warning, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Je les poteau, une nouvelle vidéo qui va donc parler de plusieurs leaks sur les futures armes probables dans le marché noir de Call of Duty Black Ops 3. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le gameplay de fond vous est donc proposé par Obscure Slade. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, elle progresse beaucoup et si on pourrait lui faire gagner grâce à cette vidéo pas mal d'abonnés, ça nous y ferait bien sûr à lui aussi super plaisir. Comme je l'ai dit précédemment, plusieurs images, précisément deux, ont été publiées sur un forum basé sur Call of Duty. Je vous affiche donc dans un premier temps la première image, et oui c'est à mon avis un fake, ça saute aux yeux. Mais dans ce cas vous vous dites pourquoi alors faire cette vidéo? Eh bien je vais vous l'expliquer. Je vous affiche le second screen qui regroupe toutes les armes de mêlée sorties dans le black market de Call of Duty Black Ops 3. Oui c'est de l'anglais mais je vous l'ai traduit, il est donc écrit « Variation de l'épée, masse, lance, marteau de forgeron, hache, marteau de guerre, crowbar, la batte, piolet, alors là par contre je sais pas du tout ce que c'est, arme potentielle à apparaître, Stark Knife, pelle, couteau balistique, tronçonneuse et les Nunjaku. » Donc oui, vous aurez pu vous rendre compte que quelques armes que j'ai citées ne sont pas encore disponibles dans Call of Duty Black Ops 3. Mais ce qui va nous intéresser le plus, c'est la pelle. Pourquoi? Car un troisième screen va apparaître. En effet, dans la barre des feeds, vous pouvez apercevoir le symbole de la pelle. Je ne pense pas personnellement que ce soit photoshopé. Si ça l'est, bien joué en tout cas à l'auteur. Les autres armes qui ne sont pas encore apparues sont la lance, le marteau de forgeron, le marteau de guerre, le piolet, là où je sais pas trop quoi, la pelle, le couteau balistique et la tronçonneuse. Après tout je dis pourquoi pas car on n'est pas à ça près, avec toutes les armes de mêlée qui sont sorties, les gants de boxe, Pitbish et tout le bordel, c'est fort probable. La tronçonneuse j'espère vraiment qu'elle sortira car voilà ça serait vraiment très fun de regarder des gameplays avec cette arme. Après cela reste à voir mais j'espère que quelques armes sortiront. Avant de finir ce commentaire, les membres de la Obscure Clan voulant savoir si toutes les petites introductions que nous mettons en début de vidéo vous plaisent. Ils sont pour la plupart réalisés par moi et Titi, on prend vraiment beaucoup de plaisir à les faire, donc nous espérons que ça vous plaira. Voilà les potes, c'est maintenant la fin de ce commentaire, j'espère qu'il vous aura plu. Dites votre avis en ce qui concerne ces probables armes, en ce qui concerne le screen de l'appel, c'est purement du fake personnellement, mais ça reste à voir. Merci de m'avoir écouté en tout cas et je vous dis à la prochaine et ciao bye bye, peace. What's here today could be gone tomorrow. In a world filled with all the sorrow, yeah. See, I just stick to my path. All these things happen for reasons, I'm believing in that. Cause if we don't, then I don't really know what we got, yeah. I don't really know what we got.